Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est le mercredi 17 novembre. Il est actuellement 8h20. Je suis levée depuis 8h à peu près. 8h15, quelque chose comme ça. Donc je me suis levée, j'ai été sortie au privé. Là je remplis un papier, il faut que je remplisse pour... toujours par rapport à la grossesse, par rapport à tout ça. Donc voilà. Alors du coup, programme du jour, je vous les explique. Alors là, il faut que j'apporte un truc à papier à la pharmacie pour qu'il l'envoie au labo. Parce que là, je l'ai oublié, donc voilà. Ensuite, j'irai peut-être faire un tour au marché. Je vais voir potentiellement. Ensuite, je rentre. Ou je m'arrête par la boulangerie et me prendre un pain au chocolat. Je sais pas, mais je verrai. Donc pour ça. Ensuite, donc je rentre, dans tous les cas. Faut que je prenne ma douche. Aussi. Il y a des choses que je vous détaille pas ou je vous épargne. Faut que je finisse de compléter le sac de nourriture qu'on emmène, parce que du coup on en emmène, on n'achète pas sur place, parce que ça perd trop de temps, je trouve. Surtout quand on peut, comme là c'est qu'un petit week-end, donc c'est plus pratique de faire comme ça. Comme ça on peut profiter direct, en fait on a pas besoin de se dire punaise, faut aller faire les courses, machin, blablabla. Bref, faut que je fasse la valise, tout est quasi prêt, mais il faut que je fasse la valise. Et normalement, on devrait être pas mal. Je sais pas quelle heure vient ma meilleure amie. Enfin, elle me l'avait dit. Mais je vous avoue que j'ai oublié. Et hier, c'est mon chéri qui m'a demandé. Donc, du coup, elle m'a envoyé un message. C'est un message auquel je l'écouterai après. Et voilà pour ça. Donc, là, je remplis mon papier, m'habiller. Un petit déj. J'ai pas spécialement faim, mais bon, vraiment, je vais boire au moins un petit jus et manger un petit gâteau, un petit quelque chose. Pour ça, je vais me prendre un pain au chocolat au cas où si j'ai faim dans le matin avant midi. Parce que voilà. voilà, et à peu près à manger un gâteau. Et voilà. Donc, j'ai monté le précédent vlog. Donc, du coup, pour vous, il sera déjà en ligne. Donc, j'ai monté, j'ai fait la miniature, tout est ok. Et voilà. Faut que je regarde si je peux pas pour les vlogs définir les hashtags qui se mettent automatiquement. Faut que je regarde ça sur l'ordi un mot. Voilà, une chose de plus à faire. Bref, sur ce, je vais aller remplir le papier, répondre à ma meilleure amie et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 9h10. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une douche rapide, hein. Je suis pas restée 3 heures à dire non. C'était très rapide. Là du coup je vais aller au marché. Alors oui, j'ai encore les cheveux mouillés, mais c'est pas grave, c'est les cheveux à l'air libre. Enfin, c'est pas quelque chose qui me gêne, j'espère juste pas tomber malade. Voilà, alors oui, je descends doucement les escaliers. C'est depuis mon dernier accident à ma rotule que je descends doucement les escaliers. Voilà, parce que j'ai pas envie de retomber. Voilà, dernier coup, je suis restée 2 mois avec mon athlète, donc comment vous dire que j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà. Là du coup, est-ce que je voulais, je vais récupérer ma veste. Hop. Est-ce que j'ai le petit sac que je voulais? Tac. Ouais, il est là, donc faut que j'enlève la veste à mon chéri. Bougez pas, je vous pose et je vous reprends. Alors là, je vous reprends, je suis dehors. J'en ai profité, du coup j'ai mis ma veste, j'ai pris mon sac. J'ai mis mes chaussures. J'ai pris un petit sac si j'achète des trucs. Et voilà, donc mission 1, passer à la pharmacie. Mission 2, passer à la banque. Mission 3, faire un tour au marché. Voilà, tranquillement, là j'ai... chaussettes qui descendent, mais c'est pas grave. Voilà, c'est belle journée aujourd'hui. Et écoutez, je vous reprends tout à l'heure.
Alors, désolé, c'est qu'il y a ma fenêtre. Je vous reprends. Il est 9h57. Là, ce que je viens faire, c'est que je vais venir m'occuper de mon melon pour midi. Je vais juste prendre, je pense, un petit tube. Je sais pas, là-dedans, ça va peut-être pas tout rentrer. Enfin, on verra. Et voilà, après je m'offrirai, ça fera mon repas, peut-être j'en picorerai un petit peu là. Et voilà, il n'y avait pas tant de monde que ça au marché, je reviens. En fait, du melon, je vais m'en prendre un petit peu pour maintenant et un petit peu pour midi. Ah, il est quand même pas mal gros ce melon. Donc voilà, j'en avais envie, je suis passée devant, j'ai dû aller. J'en ai pris un pour emmener en Ardèche aussi. Et voilà. Bon, c'est à peu près par égal. Ouais. J'espère qu'il sera bon. Je sais pas. J'ai l'air moins foncé que celui que j'avais pris l'autre fois. J'avais pris à Aldi, je crois. Donc, je verrai bien. Là, c'était 5€ les deux. Je me suis dit, allez. Pourquoi pas? Tentons, hein. Écoutez. Et voilà, donc écoutez, je vais faire mes deux petits melons. Ensuite, je vous montrerai en haut. Je pense que je ferai la valise. Et voilà, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Et après, je jouerai aux Sims, ou je joue aux Sims et je fais la valise dans l'après-midi, je sais pas trop encore. Donc voilà. Mes cheveux ont bien séché avec le vent, ça c'est cool. Mais bon, bref, voilà. Je vais faire tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est 11h27. Bon, il va être 11h30, quoi. Là, faut que je tourne un TikTok sur l'ouverture de ces trois derniers boosters. Pour voir si j'arrive à finir ma collection ou pas. Sur le toit, j'étais à l'action, j'en ai pas vu. Donc, voilà. Si jamais j'y retourne, j'en vois et qu'il veut qu'il m'en manque, bah, peut-être que je craquerai, on verra. Vu que 1 c'est pas cher, on verra. Donc faut que je fasse ça, faut que je tourne des TikTok pour mon autre compte, du coup. Et là je suis sur les Sims en train de télécharger des contenus personnalisés. Donc je les télécharge principalement sur The Sims Ressources. Et voilà, je regarde un peu ce qu'ils ont. Si ça m'intéresse, je télécharge. Si ça m'intéresse pas, je ne télécharge pas. Voilà, je pense que après manger. Cela, je vous avoue que j'ai pas la motive. Après manger, je ferai la valise parce que c'est tout. Je vais vous montrer. Tout est. Enfin, principalement, il faut juste que je rajoute 2-3 trucs. Mais tout est là, sur la chaise. Oui, il y a la trousse du McDo qui est offert passer un temps. Donc, voilà, faut que je fasse ça. Faut que je regarde où j'ai mis ma brosse parce que je sais que je me suis brossé les cheveux ici. Mais je sais pas si je l'ai mis là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc. Hop, donc faut que je fasse ça. J'ai prévu ma petite liste de naissance faite maison pour donner à ma reine. Et voilà, vu que je la vois tout à l'heure, enfin ce soir. Du coup. Voilà. Et je vous avoue, j'ai une motivation. Faut que je monte ce vlog aussi. Faut que je commence à monter ce vlog. J'essaye de le monter en fait au fur et à mesure. Donc là, j'ai un petit bouton. Là, il y a eu plusieurs séquences. J'allais monter. Après, à chaque fois que je vous filme comme là, ben, je le rajoute. Comme ça, le soir, ça me fait moins de montage à faire. Et vu que là, ben, là, on va bouger. Donc, je vais essayer bien sûr de vous vlogger et tout. Faut que je regarde si je retrouve ma batterie externe. Je sais pas où je l'ai mis, mais il faut que je regarde si je la retrouve. Voilà. Donc, je vais pas manger tout de suite. Là, je vais vous tourner le TikTok. Je décalerai l'ordi, je tournerai le TikTok. Et voilà. Donc, écoutez, je vais tourner le TikTok, faire le montage de, commencer le montage de ce vlog. Et les TikTok, enfin, faire tout ce que j'ai à faire pour sur TikTok. Montage du vlog, contenu Sims. Et cet après-midi, valise, plus mettre ce qu'il y a à mettre dans le sac en bas. Et voilà. Bref. Avec mon petit bouton, on vous dit à tout à l'heure. Hey, alors je vous reprends, il est 15h20.
Depuis ce matin, bah, j'ai mangé. Après, j'étais un peu dans les vapes. Je vous avoue que j'avais envie de faire une sieste. Là, d'ailleurs, encore, j'ai envie de faire une sieste. Je crois que sur la route, je vais faire pouf. 1, 2, 3, sommeil. Et ensuite, du coup, j'ai reçu mes résultats d'analyse de ce que j'ai apporté ce matin. Je les ai reçus. En fait, j'ai reçu un message comme quoi je pouvais consulter, mais j'avais pas l'identifiant. Voilà. Si, ça a été communiqué par le laboratoire, machin. Bon, le laboratoire m'a rien communiqué. Voilà. Du coup, une heure à appeler, il y a trois sites, donc j'ai appelé les trois sites. Une heure à essayer d'avoir quelqu'un. Miss Fruprui qui est là. Donc voilà. Du coup, je vous reprends, on va faire la petite valise. Je vais vous montrer. Faites pas attention à ça, ça faut que je trie. Hop. Petite valisette. Voilà, ensemble. Pour l'Ardèche, du coup. Et j'ai oublié, je vais rajouter pour moi un pull et un t-shirt en fonction de s'il fait chaud ou pas chaud. En espérant qu'il fasse un peu plus chaud. Et voilà. Je sais plus ce que je vais rajouter d'autre. Donc je vais aller chercher ça et je vous reprends. Donc ça y est, du coup, j'ai récupéré un pull et mon espèce de tunique que j'avais acheté chez. Je sais plus qui est. Ah oui, chez qui habillé. Et j'ai pris du coup des collants que j'ai mis là. Bref, c'est parti. J'espère que tout va rentrer. Mon chéri m'a dit oui. Cross the finger. Première chose, je vais venir mettre les serviettes. Bon, déjà rien que les serviettes. Une serviette, ça prend la moitié de la truc. Hein. Je pense qu'on va avoir un petit souci technique là. Parce qu'une serviette, je vais vous montrer, je vais mettre les trois. J'en ai pris trois du coup. J'ai dit, vu que moi, pour les douches et tout. Deux. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais récupérer la grinde, c'est pas grave. Je vais récupérer la grinde et je vous reprends. Voilà, du coup j'ai été chercher la plus grande. Si là ça rentre pas, je sais pas quoi faire. Donc là ce qui est bien, c'est qu'il y a cette partie qui s'attache. Et vous avez cette partie là que vous pouvez bloquer avec des petites attaches comme ça. Et une pochette là. Donc, normalement, cette fois, ça devrait rentrer. Donc ce que je vais faire, au lieu de les poser à plat, les serviettes, je vais les enrouler sur elles-mêmes pour essayer de gagner un maximum de place. Et encore, je suis même pas sûre. Non, c'est quoi, je vais les laisser à plat. Ça devrait le faire, j'espère. Hop, donc il y a ça à mettre. Ensuite, j'ai fait une trousse. Donc c'est la trousse que vous pouvez gagner le premier jour, je crois, au McDo, je sais plus. Là, c'est tout ce qui est shampoing, gel douche, démaquillant, etc. Donc ça, on le met là. Ensuite, trousse à maquillage, même si je sais pas si je vais me maquiller, on va la mettre comme ça. Trousse à sous-vêtements. Oui, mes sous-vêtements, je les mets dans une trousse, c'est plus simple. Pour moi, je trouve. Voilà. Ensuite, médicaments, je pense que je les mettrai de l'autre côté. Non, je peux les mettre là. Donc, petite trousse de médoc. Donc, principalement, je peux vous montrer, hein, c'est principalement pour moi, vu la grossesse. Donc, j'ai tout ce qui est antidouleur, de l'iprane, afagan, mal de tête. Pour moi, et même pour ma meilleure amie, son chéri ou quoi, c'est comme le gaviscon. Voilà, mais c'est prescrit pour moi, pour les remontées acides. Et j'ai ça avec, qui m'a été prescrit par ma sage-femme. Pour justement tout ce qui est remontées acides, etc. Et j'ai pris mes gouttes pour les yeux au cas où. Et ça, qui est ma vie quand j'ai mal au crâne. Je prends ça, j'en prends quasiment plus. C'est ça. Bref, donc... hop. Voilà. Ça. Je pense que je vais mettre les draps dessus. Et tout ce qui reste au niveau vêtements, s'il ne reste pas grand chose, je mettrai de l'autre côté. Donc, du coup, il faut emmener des draps. Donc, c'est ce que j'ai fait pour, du coup, la couette. Les deux têtes d'oreiller. Donc, moi, ce que je fais, il faut que je prenne mon autre oreiller que j'ai, mon long, pour mes jambes. Encore une fois, avec la grossesse, c'est compliqué. Le drap matelas.
Voilà, et le reste, je pense que je vais le mettre de l'autre côté. Est-ce que je peux pas caser les chargeurs juste là? Donc, ça devrait tenir. Donc du coup, hop, 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 j'étire, j'étire, j'étire. Hop, et là, hop là. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, on va remplir un peu ce côté. Hop. Comment ça s'enlève là d'ailleurs? Ah, là, ça s'enlève, mais je sais. Là, je vais venir mettre du coup ma petite tunique comme ça s'il fait chaud ou si je veux être à l'aise ou voilà, tout simplement. Si j'en ai marre de mon jean, j'aurai ça. Je vais le mettre là. Normalement, c'est fait pour. J'ai pris un pull également de rechange. Voilà, c'est mon chéri pour rajouter des trucs. On trouvera une place. Un petit débardeur. Bah, s'il fait chaud. Si j'ai envie d'être en jean débardeur. Si. Pour mettre sous mon pull. Les maillots de bain, parce que là-bas vous avez une piscine, si jamais on peut pas se baigner, il y a d'autres petits trucs comme ça. Du coup je prends ça avec, que j'avais commandé sur Shein, pour justement aller avec, quand ça, avec le maillot de bain et tout. Mon pyjama, j'emmène mon pyjama Stitch. Et ma broche, je vais la caler de côté. Hop là, je baisse. Hop, hop. Mon déo que j'ai oublié de caler, on va le mettre là, ça ne devrait pas bouger. Ma brosse, c'est pareil, je vais la mettre là. Et là, du coup, pour l'instant, j'ai rien à mettre dans cette partie. Donc, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre ces petits sachets-là de la marche, enfin de chez Shein, comme vous comprenez. Et voilà, je vais voir si mon coussin rentre dessus, sinon je le mettrai à part. Et voilà pour la valise, tout est prêt. Plus qu'à attendre et let's go. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 18h15, là on rentre d'Inter, on a été posé prunel chez mes beaux-parents. Et à Inter j'ai trouvé ça. Donc si vous aimez les bubble tea, n'hésitez pas à aller voir à Inter. Donc ça je vais goûter, je vous dirai, je vous mettrai peut-être une petite annotation de ce que j'en ai pensé. Et j'en ai pris un autre à la pêche. Et je goûterai du coup sur TikTok. Donc voilà, là je viens de poser. Et après quand ma meilleure amie arrive, on part. Et voilà, mon chéri, je pense, va essayer de commencer à changer la voiture. Et voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 22h24. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vous ai pas pris tout au long de la route parce que voilà, c'est la route d'Ardèche. Et du coup, voilà notre petite chambre. Stitch, toujours là. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce vlog nous aura plu. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et je vais vous monter celui-ci. Et voilà. Donc, je vous dis à demain.